Les machinistes nous ont toujours causé des ennuis. Mais voilà qu'ils ont installé des champs de force pour nous séparer. Si tu trouves des diodes, tu pourras les désactiver. Je crois qu'il y a une diode quelque part par ici, mais ma vue n'est plus ce qu'elle était. Les barrières électriques. Nous avons réussi à préserver ce talisman des machinistes. Je te le donne en récompense.
Tu vois ce grand bâtiment là-bas? Les machinistes s'en servent pour nous voler l'électricité. Aide-nous en arrêtant la machinerie à l'intérieur. Du bon travail, Spyro. Prends donc cette babiole, elle te portera chance. Si tu veux savoir comment faire pour arrêter l'usine, demande-moi. Le prochain vol sera difficile. Tu devras battre des ailes pour le réussir. Appuie sur action pendant que tu planes pour battre des ailes et prendre de la hauteur. N'oublie pas d'appuyer sur action quand tu seras près du moulin, sinon tu n'y arriveras pas. Des machinistes et dans cette salle. Mais le vacarme est insupportable. Merci d'avoir arrêté l'usine. Tiens, j'ai trouvé ceci au milieu des rouages. Tu peux le prendre si tu veux. De nous voler nos pierres de foudre. Si tu les remplaçais toutes et si tu activais notre générateur, je serais soulagé.
trouvé cet objet lumineux au milieu de nos pierres de foudre. Accepte-le en tant que récompense. Très fort maintenant, non? Mais on va voir si tu es aussi fort que le champion actuel. Spyro, je te présente le champion du coin. Pour gagner la course, tu vas devoir voler à travers tous les anneaux. Mais attention, si Chasseur passe le premier dans un anneau, ce dernier commence à rétrécir. Tu voles vraiment comme un as.
plus, Spirou. Heureusement que tu es là. Si tu pouvais guider ces bébés tortues en sécurité, je t'en serais très reconnaissant. Jeune dragon, les bébés tortues sont en sûreté ici. Je t'offre ce talisman en gage de notre gratitude. Bonjour, mon garçon. Il y a un cuistot en haut de cette échelle qui veut faire de la soupe de tortue. Tu peux grimper et l'en empêcher.
ouvriers marins ont capturé presque tous nos bébés tortues. Et ils les mettent dans des boîtes très solides. Avec une attaque de flammes plus puissante, tu pourrais les libérer. Impressionnant. Tiens, prends ce machin magique comme gage de notre gratitude éternelle. Bien joué, Spyro. Maintenant que tu as les 6 talismans, la porte va s'ouvrir. Avant d'arriver au donjon du château, Spyro, je pense que tu devrais savoir comment Ripto et ses monstres sont arrivés à Avalar. Tu vois, la semaine dernière, dans la toundra, le professeur travaillait sur une nouvelle technologie de superportail. Bon, le dernier orbe est en place. Alors voyons, il ne nous manque plus que des coordonnées. Bon, pourquoi pas 2-2-4-7-5. C'est mon anniversaire. Non, chasseur, arrête. Quoi? De dragon. Merveilleux. Crash, retourne faire mes valises. On emménage ici. Dites bonjour à votre nouveau roi.
professeur, fermez-le, vite! Seigneur, seigneur, je ne vois pas le bouton. Je crois bien que j'ai cassé mes lunettes. Crash! Casse le portail, espèce d'idiot! Dis à tous tes amis de prendre les orbes et de les disperser dans Avalar. Vite! Non! Gulp! Crash! Prenez les orbes, vite! Méprisable petite créature! Je vais te tuer! C'est une mauvaise nouvelle pour Avalar. Chasseur, tu aurais dû le poursuivre. Oui, je me serais bien lancé à ses trousses, mais... n'a-t-il pas mentionné le fait qu'il n'aime pas les dragons? Professeur, peut-on trouver un dragon pour nous aider? Oui, oui, probablement. Nous avons besoin d'un monde dont l'alignement convient mieux à l'interception d'une de ces créatures. Pourquoi pas Lueur? Se demeurer. Mais Gulp sera un adversaire bien plus coriace! Faites ton mieux, mon gars! Ah ah Gulp, et à tout de suite! Détruis-le! Et que ça fasse mal! Toi, Gulp, sors-moi de là! Adieu, dragon! Quelle mauviette! Ce ripto a causé assez de dégâts. Ces petites frasques m'ont coûté une fortune. Sans l'aide de Spyro, je serais ruiné. Oh, si Ripto était ici, je lui dirais ma façon de penser. En fait, j'irais même beaucoup plus loin. J'ai été champion de boxe poids bantoum à l'université. Je ne suis pas encore rouillé. Prends ça et ça. Non. Pourquoi?
Je suis sûr qu'un riche dragon comme toi n'hésitera pas à payer quelques gemmes pour apprendre à grimper. Je suis prêt à te l'enseigner pour, disons, pas grand-chose. Tu ne le regretteras pas. Bon, quand tu penses voir une surface ou un mur qu'on peut escalader, comme à ma gauche, là, saute dessus et tu la gripperas avec tes griffes. Tu peux monter et descendre. Appuie de nouveau sur sauter pour te décrocher. Tu peux aussi sauter latéralement vers une autre surface. Activer le bonus super vol. Tu vas pouvoir allumer les lampes de cette grotte. M'avoir aidé à allumer les lampes, Spyro. J'ai bien cru qu'on allait devoir annuler la partie de baseball de ce soir. Tiens, quelqu'un a mélangé cette orbe avec les balles de baseball.
Tes amis tortues feront une excellente soupe si je les attrape. Essaie de les sauver si tu veux, mais je suis vraiment très affamé. Sauver quelques tortues, mais il en reste beaucoup d'autres. Tiens, prends cette orbe et disparais. Sauver toutes les tortues de la plage. Tiens, prends ça. J'allais acheter des patates avec, mais je n'en ai plus besoin.